Et salut les amis, salut les potos, c'est Casual Gamer, bienvenue sur ma chaîne. Ici une petite vidéo déconnade pour aller tester notre Quetzal et notre nouvelle plateforme bien armée. C'est parti. De la base entre deux, les deux. Les deux trucs. Oh là, il doit avoir 20 pétrole. J'ai mis un petit marqueur titan à 2597 mètres. Comme ça, je sais où je dois aller plus ou moins. Ok, voilà, je suis prêt. Ah bon, t'attends. Ah oui, ça va super vite, en 10-15 minutes il est là. Alors on va. C'est quoi ça? Ça c'est la perte de matos. Mais titanesque, j'avoue que oui, c'est vraiment ça, c'est la perte de matos de monstre, quoi, quand tu vois tout ce qu'il y a dessus. Rien que tous les boulets qu'il y a dans les armoires, c'est déconné. On est en route? On est en route. J'espère juste ne pas tomber en route. Justement. Je me suis couché exprès en fait à un moment. Ça jamais. Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qu'elle fait ailleurs, elle? Est-ce que j'ai le mal de l'air. Notre poids. Non, ça va, en vrai, ça va encore. J'ai le mal de l'air. Ça devrait le faire. Pa-da-dam. Pa-pa-pa-da-dam. Quelle vue. Un peu bizarre, mais... C'est vrai? Vous avez une belle vue? Moi, j'avoue, je vois le pépette, là. Ouais. Ouais, nous on a une belle vue, hein. En vrai, tranquille. La paix. On va une guêpe, on tire dessus. C'est ça. Voilà. Par contre, ouais, il faudra l'éloigner du Tita pour pouvoir allumer la tour automatique. Ah, mais c'est ça l'idée, c'est le pigeon avec pupus dessus. Hein. Voilà, son pigeon Jean Tavis, par là. Par contre, j'espère que t'as assez de recul pour voir arriver les tirs, hein, parce que... Faut laisser on est sur la plateforme. Ah mais c'est... Oui, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'il y aura. J'ai pas ma... Willing sortie, hein. Willing. Non, je rigole. Ça va, je ralentis. Où est-ce qu'elle est? Ah ouais, t'es en bas. On est un peu haut peut-être, mais... Pendant qu'on avance comme ça, je vais éviter d'aller sur la... sur la rampe qui descend. Oui. Ah, tu peux essayer, tu peux essayer. Là c'est stable, hein, mais... Si tu le fais dans l'eau, il y a une chance que tu survives, mais sinon, je sais pas trop si on... Après, en vrai, il y a le parachute quand même dans... Ah, il est peut-être pas encore là. Je sais plus. Il est déjà là ou pas, le... Il est pas là, je crois. Non, il est pas là. Parce qu'il y en a qui ont pris les mods, hein, mais je crois que le parachute, c'est pas avant... C'est même pas scrotch. Si, il est niveau 22, il faut 6 points. Ouais. J'achète le parachute. Ah merde, j'en ai pas. 40 branchages, 10 pots et 20 fibres. Je sais le crafter. Ah bah, écoute, ça vaut ah la non, peine. J'ai pas ce qu'il faut. Non. Par contre, il y a une touche pour l'activer, mais ça, je sais plus. C'est peut-être important quand même. Non, je peux le débloquer, mais il faut les ressources, quoi. Je viens de le débloquer, mais il faut les ressources. En vrai, c'est pas con l'idée, hein. Je peux crafter des ciseaux aussi, si vous voulez. Non, mais en vrai, si vous voulez, ça peut être intéressant. Oh, on meurt, hein. Oh, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En plus, on a 20 minutes pour revenir, ça va. On est surarmé, là. On est surarmé. Moi, ah, il y a juste deux gros canons, presque sans munitions. Une tourelle lourde. Il y a deux canons, il y a une tourelle. Une tourelle. Ah ouais, c'est ce qui arrive. Attention, t'es proche du rebord, Caliche. C'est sûrement un thon. Hein. Ah, c'est sûrement un saumon. Ouais, je te crois. Ça va, ça alors... va. Odin. Oui. Bah si t'appuies sur E maintenant, tu meurs aussi, hein. Pourquoi tu me vises? Non, si tu sautes, qu'est-ce que ça fait? Ah non, commencez pas, hein. Tu joues quoi? Si tu sautes sur place, ça fait quoi?
Ah, ah, mais le con! Ah, le con! Mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi tu lui as dit? Moi, tu sais comment je l'ai connu? J'ai fait ça sur un radeau. Et j'ai su tomber à l'eau. Mais regarde, moi je suis pas tombé. Hein. Oh, mais hey, hors blague, sans la rampe, t'étais loin. Par contre, c'est pas passé loin. Oh misère. Je vais tirer une flèche empoisonnée, il va comprendre. Oh merde. C'était trop drôle. Je sens qu'on va encore entendre parler de celle-là. Alors, on est plus qu'à 1000 mètres plus ou moins. Ah, celle-là, je vais l'expliquer à Evelyne quand je vais descendre. T'sais. Vous voulez que je descende un peu ou vous pensez que vous allez la voir de là? Parce qu'on est où, hein? On le verra. T'inquiète. C'est Odin qui s'énerve dans les airs. Alors, il faut remonter. Elle est pas loin. Faut remonter encore. Hein. Ouais, t'inquiète. Allez en face, ouais. Ouais, c'est là, un peu sur la butte là-bas, quoi. Après, il y en a une aussi sur la gauche, on est passé juste à côté, je pense. Ouais, mais celle-là, c'est pas la 200 quelque chose? Non, elle est un peu plus, elle est un peu plus haut, c'est une verte, mais... Faut aller par là. On a passé un peu la moitié. Faut aller par là. Qu'est-ce qu'il y a tiré là? Voilà, faut aller là. Je prendrais bien ça full énergie, comme ça on est tranquille, non? Ça va, tu vois. Par contre, c'est rempli de serpents. Ouais, rempli de serpents. Ouais, mais t'inquiète, hein, j'ai pas peur, moi. Là-bas, il y a des créatures. Et qui a crié de lancer un feu de détresse? C'est Kalish? Moi. Ah, c'est toi. J'ai pas entendu. Mais vous êtes là, les mecs, vous êtes là. Non, mais je vais t'embêter. Non, mais si vraiment c'est trop dangereux, je remonte. Nouveau disponible, vous êtes passé 101. Merci Hermione d'avoir tué un truc. Non. Ça vient de me faire passer. Il a pris 100. Son niveau, quoi. C'est incroyable. Il y a des titanoboa ici. Ouais, il y en avait 3-4 là-bas. Mais... Il y a une mégalurna, mais. Voilà, Quetzal l'a tué. Oui, il y a un truc qui m'attaque là. Il y a des trucs volants, les méganura, il faut les. Oh putain, elles me font mal, et t'as arrêté de me taper. Désolé, et le Quetzal il a pas peur, un coup il tue tout. Elle sort ta lance et tue, hein. J'ai pas de lance. Ah purée, mais il sait rien faire cet homme là. Allez. J'ai mon épée. Derrière toi, t'as une libellule sur toi, Nono, t'as une libellule. J'arrête pas de me dire. Putain, son cadavre est au-dessus de l'armoire, quoi, c'est même pas la récolter. Je te jure, la libellule est là-dessus. Bon, au cas où, je vais redémarrer, donc ne sautez pas. Ne sautez pas. Quoi, Raptor? Mais fous-lui la paix. Mais... Allez, démarre. Légèrement sur la gauche, et elle doit être là en dessous. En vrai, dans attends, les arbres. Attends, on va se calmer un peu. L'excitation. Après, elle est peut-être morte en fait. Hein, tout ça pour possible, ça. Hein. On est où là? Ouais, faut aller quand même plus loin. Hein, non ouais, elle a peut-être bougé aussi. Hein. Elle a peut-être bougé un peu. Ouais. Ou elle est morte. Si vous la voyez, dites-le moi que je sache plus ou moins où elle est avant de faire les fous. Hein. Après, on pourra peut-être activer la tourelle avant que. C'est à gauche hein, qu'elle était, moi, quand je l'ai vu. Par là-bas ouais, par... ouais. Là, tu vois. Ah, le titan, il est là, il est là, le titan, il est là, ok. Elle était à côté du titanosaure. Ouais. Et il s'attaquait ouais, non, il s'attaquait pas, par contre. Donc, il faut regarder. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est moche. Ok, elle est pas belle. Elle est là, je la vois, moi, regardez. Oui, elle est en contrebas. En contrebas. Elle attaque un truc, d'ailleurs. Ouais, mais ça c'est pas plus mal d'ailleurs. Je la vois pas non plus. Ouh, si, si, l'arbre est tombé. Vous avez activé la tourelle? J'active la tourelle. Ouh là là, encore un. Encore un, elle est en dessous de nous là. Ouais, il faut te placer du coup. Elle est juste en dessous de nous. Fais attention de pas te mettre dans l'action de la tourelle. Sinon... Ok, je vois. Tu la dépasses pour qu'on tire à l'arrière ouais, elle est activée là. Hein. Ouais. La tourelle est... Elle est là sur le côté là.
La toile est allumée là? Je l'ai touché deux fois. Oui, la tourelle est allumée. Ouais, mais non, elle est par terre, elle est pas allumée la tourelle là. Clic. Elle est. Oh, voilà. Elle est où? En dessous. Elle est en dessous. Elle est morte, hein? On est d'accord qu'elle est morte. Elle a tiré dessus en tout cas, mais. Vous m'avez fait stresser et vous me dites qu'elle est faite et puis je regarde la tourelle, mais non, elle est à l'arrêt. Elle est où? Ouais, elle a mangé, t'inquiète, ouais, elle est morte. Ouais, elle est morte. Bon, le Quetzal prend des niveaux là. Moi je reste là. Hey, oui. Manu, tu m'as trop stressé avec. Bah, si elle est faite, puis je regarde, je vois la tourelle, c'est vers le bas, je dis, mais non, elle est éteinte là. Fais gaffe, ça recouche pas quoi. Attends. Éteint la tourelle. Wouhou! Il a pris un niveau, il est content. Bon. On fait quoi? On tente le titan? On peut, hein. Mais ah oui, non, on n'a pas la selle, ça sert à rien. Si on la somme, on sera pas le prendre. Ouais, juste. Merde. Vous avez pris son phéromone? Ah non, pour... bah, il est dans le. Il est dans l'Argentavis, à mon avis. C'est qu'est-ce qu'elle est. Elle a attrapé un putain d'escargot, je parie. Je le savais. Je le savais. Ben regarde. Pauvre bête. C'est du ciment, hein. Bon. Bon, allez. C'est bon. Ouais, vas-y. Rentre à la base. On va regarder pour farmer ce qu'il faut pour la selle. Et on verra l'heure qu'il est quand on aura ce qu'il faut pour la fin. Voilà, 9h30, ça va encore. Et voilà, cette petite vidéo en event de clan est déjà finie. L'abeille, on en a fait qu'une bouchée. D'ailleurs, on a fait même deux bouchées vu qu'on s'en est pris deux. Bon, quelques petits bugs, un petit escargot qui n'était pas prévu, hein, soit. Bref, c'était quasi. N'oubliez pas le petit pouce bleu et commentaire si ce genre de petite aventure vous intéresse. N'hésitez pas. À la prochaine.